OK. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب زدنا علما. May Allah increase en français. Augmente notre knowledge en étudiant ces nouvelles lettres qui vont venir. Amin, amin, amin. Voilà. La prochaine lettre, c'est celle-là. Ra. Ra. Elle se comporte, elle remplace la lettre R du français. Elle est plus proche du R français, ra. OK? Au début du mot, elle se comporte comme ça et elle ne s'attache pas à la lettre suivante qui vient après elle. Okay? Quand elle est au beau milieu du mot, celle qui la précède, elle vient s'attacher à elle de derrière. Et celle qui vient après, elle ne s'attache pas à elle. Elle est shy, elle est timide. Elle ne s'attache pas au gars qui vient après, lui. Mais si quelqu'un qui n'est pas chat vient toucher, il dit, ah, OK, j'ai un frère, j'ai un ami ici, je vais causer. Et quand elle est à la fin, comme il n'y a presque personne ici, celle qui vient s'attacher à elle s'attache comme ça. Elle remarque, cette lettre est une des lettres de l'alphabet arabe qui ne s'attache pas à la lettre qui suit. OK? Oui, on y va. Voilà, on va voir d'où est-ce qu'elle nous sort. La lettre Ra, il faut que je cherche où est-ce qu'elle nous sort. La voilà. Et la voilà, tu la vois? Oui, je Sur la une... vois, oui. Si tu suis la ligne Ah ouais. là, elle vient, elle sort du ciel. Tu mets ta langue ici au beau milieu de, I guess, de ta mâchoire supérieure. Tu dis Ra, Ra, Ra. OK? Ra. Oui. Elle sort ici. Donc, débrouille-toi, mets ta langue ici, elle sort. Ra. Pour que tu sois, pour que ta voix résonne comme la voix d'un arabe. OK? D'accord. Ra. Je me rappelle, on était dans une petite ville à Arkansas. Il y avait un Mauritanien qui venait d'arriver à l'université là où on était. Il venait d'arriver. Quand il arrivait à la mosquée, j'ai dit, Where are you from? Il me dit, je suis de la montagne. Je dis, oh, ça va bien. Tu parles Olof? Il me dit, oui, je parle Olof. Donc, okay. On parle, je lui dis, OK, va faire Adam. Le gars, il a commencé la danse immédiatement. Les Saoudiens sont arrivés. Tout le monde s'est arrêté. Ils l'ont regardé jusqu'à ce qu'il a fini la danse. Le Saoudien m'a dit, d'où est-ce qu'il est? Je dis, c'est la Mauritanie. Il me dit, ah, alhamdoulilah. Les R et les Ha, les R. Tu connais ça? Alhamdulillah, Rabbil Rami, Rahmanin. Et c'est les R et le Ra. C'est des right. J'ai dit oui, il est mauritanien. Donc, essaie de faire comme la Mauritanie. Ra, ok? C'est bon, ici, tu racontes toutes les nationalités. C'est tellement bon. Ok. Voilà. On va à la prochaine, on va aller la voir, la lire maintenant avec les voyelles. La lettre Ra avec les voyelles. Les voyelles sont Fatha, Kasra, Damma, Kasrataïn, Fatahin, Dammataïn. Non, je suis confus. Je commence. Je pense, on dit Fatahin, et then ça, c'est Kasrataïn. Et Damataïn.
J'espère qu'elle travaille. Enfin, et même, ce sont les voyelles. On va aller. On connaît bien la chanson, il faut bien la chanter. Celle-là, il faut toujours la chanter. Même si tu la chantes toujours, et c'est que tu oublies les lettres. Tu sais que les voyelles, ça, ce sont les voyelles. Rariru, 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 si on te met la lettre, et on met le casserole au-dessus, on te dit ça, c'est la lettre bâtie pour la lire. Okay? Si tu oublies les lettres, les voyelles, si tu les retiens, si on te dit que la lettre là, c'est telle lettre et la voyelle qui est au-dessus de ça, c'est telle voyelle, tu pourras lire. Okay. On y va. Rariru. Rarihu. Ran, rin, run. Ran, rin, run. Ra, ri, ru. Ar. Et ça, quand la lettre est doublée, on l'écrit comme ça, on met le petit W au-dessus. Et quand il est doublé avec un A, on met le A ici, la lettre dessus. Quand il est doublé avec un I, on met le kasra en dessous ou bien en dessous, ici. OK? Et Oui. il est doublé avec un U ou un Roun, on met le dhamma au-dessus. On va D'accord. lire encore. Rari ru ran ren run. Rari ru ar. Rari ru ran ren run. Rari ru ar. Rari ru ran ren run. Rari ru ar. Allez-y. Rari ru ran rin run ra ri ru ar. Ta voix, elle est exceptionnelle. Good. OK. On va à la prochaine lettre. On va lire maintenant. Maintenant, on introduit les lettres qu'on avait étudiées avant et on introduit la nouvelle lettre qui est Ra. Maintenant, on va essayer de se rappeler les lettres qu'on a étudiées avant. Les lettres qu'on a étudiées avant, c'est Ta. On a donné le son A. Ha. On a donné le son silencieux. Ra, celle qu'on vient d'étudier là, on a le son A. Et ça, c'est Jim. OK? Ce que l'écriture pour utiliser Jata, on l'a donné le son Un. OK? On va lire Ta, Rajun. Ta, Rajun. Allez-y. Rajun. Parfait. Oh. Ça, c'est la lettre Jim. On l'a donné le son A. Ça, c'est la lettre Val. Tu mords ta langue. Val. On a donné le son A. Ça, c'est la lettre Ba. On a donné le son Bun. Ja, va, Bun. Bien. OK. Ça, c'est la lettre Jim. On a donné le son A. Ça, c'est la lettre Ta. On a donné le son A. Ça, c'est la lettre Ra. On a donné le son Ra. A. A. Ta, ja, Ra. Non, j'ai renversé. Non, j'ai renversé. J'ai lu ta jara de l'autre côté. On va lire jatara. Jatara. OK? Ça, c'est la lettre dal. Tu mords ta langue. Ça, c'est la lettre ra. OK? Ça, c'est la lettre ba. Elle est au lieu de le son un. Zar bun. Bien. Ça, c'est la lettre Alif. On a donné le son I. Ça, c'est la lettre Ha, Hamidou. Hamidou. Okay? Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre Ra. On a donné le son A qui est long. Okay? Et ça, c'est la lettre Zal. Tu mords la langue. On a donné le son U. On va dire I. Ra, Zou. Très bien. Ça, c'est la lettre Ta. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Ra. On lui a donné le son silencieux. Ça, c'est la lettre Ba. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Dal. Pour écrire Mamadou. OK? De dou à la fin. On lui a donné le son In. On va lire Tar Ba Din. Tarbadin. Oh, ton R est exactement mauritanien.
Je ne sais pas si Yami t'a contaminé, mais j'étais très bon. Ok, ça c'est la lettre Zal. Ok, on l'a donné le son A. Tu mords ta langue. Zal, ça on l'a donné le son A. Ça c'est la lettre Ra. On lui a donné le son U. Ça c'est la lettre Ba. On lui a donné le son A. Zaruba. Zaruba. Très bien. Okay. Ça c'est la lettre Ra. On lui a donné le son A. Ça c'est la lettre Ha. Elle a perdu sa queue pour joindre le zal qui mord ta langue. Rahazou. Rahazoun. Rahazoun. Allez-y. Rahazoun. Très bien. Ça, c'est la lettre alif. On lui a donné le son i. Ça, c'est la lettre ba. Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre ta. On lui a donné le son i. Ça, c'est la lettre ra. On lui a donné le son a. Ça, c'est la lettre zal. Tu mords ta langue. Elle est silencieuse. On va dire. Ib ti raz. Ti raz. Allez-y. Très bien. Ça, c'est la lettre ba. On a le son a. Ça, c'est la lettre ha. Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre fa. Fa. La langue au-dessus des dents de la mâchoire supérieure. Okay. Fa, ra, ça c'est la lettre ra, ça c'est la lettre dal, dal, pour écrire Mamadou. On lit Bah Saradi. Allez-y. Paradis. Très bien. Ça c'est la lettre alif, on l'a donné son a. Ça c'est la lettre ha, qui est tremblante. Ha, ha. On dit ahi. On tire selon. Ahi, oh, tu as raison. Ahi. Oh, j'ai oublié de tirer très long. Très bien, je pense que tu es en train de suivre. Ça, c'est bien ça. La leçon, tu es en train de te prendre. Ça, c'est bien. Ok, non, maintenant, ça, c'est la lettre alif. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre ha, ha, qui est tremblante. On lui a donné le son I, ça c'est la lettre Ra. On lui a donné le son A, ça c'est la lettre Ta, Ta Marbuta. On appelle ça, quand tu vois le Ta là, on l'appelle Ta Marbuta, le Ta féminin. Bintou, on ne va pas l'écrire avec le Ta que tu connais qui fait ça, avec les deux points. On l'écrit avec ce Ta là, parce que c'est féminin. Bintou, ok? Ta Marbuta, ok? On va lire A, Ri, Ratoun, Akhiratou. Akhiratun. Très bien. Remember ça, ça c'est le temps féminin qui représente les femmes. Okay? Le temps féminin. Akhiratou. Okay? Donc, on va à ce next one. Ça, c'est Alif. Ça, c'est Ha, qui est tremblante, mais trop long. On lui a donné le son U qui est trop long. Et ça, c'est la lettre Dal, Mamadou. Qu'on lui a écrit le son I qui est très long. Comme il ne s'attache pas à la lettre suivante, tu n'as pas les deux points. Il vient se mettre comme ça. Et celle-là aussi, celle-là, tu vois, celle-là, elle ne s'attache pas. Le waouh, waouh, kai, ne s'attache pas au voisin. Okay? Celle-là ne s'attache pas au voisin aussi. Donc, elle se retrouve toute seule, flottant en l'air. Okay? On va dire, celle-là, on ne l'a pas encore vue. On l'a vue pour faire le son qui est long. Elle va venir tout seule. Okay? On va voir comment elle se connecte aussi. On va dire. Akou, akou di, akou di. Fais trembler le ha. Ok, allez-y. Mais haut-parleur entend ta voix très claire et c'était très bien dit. Ça, c'est bien ça. Ok, tu fais mon cœur frissonner. Ok, okay. Ça, c'est la lettre. Alif, de leçon A. Ça, c'est la lettre Ra. Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre Ha. Elle est la leçon A. Ça, c'est la lettre Fa. Fa. La langue au-dessus des dents de la mâchoire supérieure. Okay? Ar, Hasu. Ar, Hasu. Allez-y. Ah, Hassou.
Mais c'est très bien. Le art, tu le dis bien. Le har, parfaitement. Ça, c'est très bien. OK? Et ça, on a, c'est le même. Le tha, la langue au-dessus des dents de la mâchoire supérieure, on lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre ha, qui est tremblante. On lui a donné le son A, mais qui est long. Et ça, c'est la lettre dal, qui représente le son dou, mama dou. OK? On lui a donné le son doun. Mais elle est doublée, n'est-ce pas? On va aller. Je ne sais pas si on pourra lire. Ça, doun. Mais je ne sais pas quel. Mais tu as raison très bien dans mes. Je parle. On a terminé cette lettre. On va arrêter. Je vais arrêter l'enregistrement. On va commencer la deuxième. D'accord.